Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour la guidance pour le mois de juillet 2022 pour le signe et ascendant lunaire du signe du Lion. J'espère que vous avez la forme. On va regarder un petit peu tous les domaines de vie, notamment ici le domaine financier, le domaine du travail ou les activités. Et on aura ici la partie sentimentale et émotionnelle que je vais approfondir sur une deuxième partie de ce tirage-là. Alors le tarot viendra compléter chacun des domaines. Et puis on va déjà commencer ici par un petit message des plumes de Fabio. Symbole d'intelligence, aide à traverser les moments difficiles de la vie. Donc voilà, vous avez la plume ici du corbeau. Je ne sais pas ce que vous avez à traverser, les lions. On verra que effectivement il y a des choses positives. On peut parler d'une transaction pour une maison, quelque chose à arranger par rapport à un héritage pour d'autres. On aura le travail avec cette notion de petite prudence. Et puis, le renard est aussi synonyme d'intelligence. Donc, c'est marrant ici de retrouver ces cartes-là qui vont un petit peu faire résonance au message en premier lieu. Alors, on va commencer ici avec votre tendance. Cette reine de denier, donc voilà, il y a des autres mots, mais je sais que ça fait référence à la reine de denier. Ça peut nous parler d'une banquière qu'on peut retrouver ici. C'est aussi vous, comment vous avancez pour ce mois de juillet avec une envie de cadrer les choses, une envie vraiment de pouvoir stabiliser et de rester dans une certaine confiance. Donc là, je n'ai pas réellement de domaine qui peut représenter cette carte-là. Ça peut représenter votre énergie. Ça peut représenter également une personne qui vous entoure et également l'idée d'une banquière. En tout cas, cette reine, elle sait parfaitement comment gérer son quotidien pour qu'il soit le plus confortable possible. Cette reine, elle est aussi dans une forme d'introspection. On verra s'il y a des choses à repenser par rapport à une personne, surtout au niveau du travail. Et cette reine, elle prend le temps d'avoir des conseils ou de conseiller pour emprunter le meilleur chemin. Donc c'est une belle énergie, une énergie quand même de douceur, une énergie où vous prenez le temps. Voilà, en tout cas, ça peut nous dire que vous avez la capacité, les lions, d'avancer pour ce mois de juillet avec une certaine, pas fermeté, mais une certaine stabilité. Vous, ce que vous souhaitez ici, c'est justement que les choses puissent se décanter parce que le 8 de bâton va faire résonance à aux énergies qui se décantent, aux choses qui se remettent dans l'ordre, à des énergies vraiment de communication, d'avancée, à une éclaircie par rapport à une situation. Le bâton, c'est l'action. Donc pour moi, vous allez vouloir vous dire « je prends les devants » par rapport à une situation et on verra que ça va toucher directement les coupes ici. Donc ça va toucher votre sentimental, votre émotionnel. Et puis, on va voir que mentalement, vous avez l'as de coupe. Je suis authentique avec moi-même. Ça, c'est ce que vous vous dites. C'est ce que vous voulez. Et vous vous mettez en action par rapport à ça. Donc là, on est dans un plan un petit peu énergétique, un petit peu psychique. Et après, on ira chercher les éléments plus concrètement avec le petit Lenormand. Un as de coupe, bah, ça peut nous parler d'une rencontre. Ça peut nous parler aussi de quelque chose très favorable et très positive qui se réamorce peut-être dans la famille avec le 10 de coupe. Il peut y avoir l'idée d'une signature avec un as, d'une remise en couple, d'une remise en concubinage, mais ça peut être aussi une idée de se rapprocher d'une personne de la famille. Si on ne parle pas de famille, ce 10 de coupe ici, au point de vue inconscient dans votre intérieur, il vous parle vraiment de réjouissance, de stabilité, il va vous parler vraiment d'une certaine aisance et d'une sécurité émotionnelle. Pour moi, cette sécurité émotionnelle, elle est en lien avec le fait que vous ayez cette énergie de la reine de denier qui vous accompagne tout au long de ce mois de juillet. Comme cette reine, elle structure les choses, elle avance de façon confortable, elle est réfléchie, elle est intelligente. C'est marrant parce que ce petit message-là, il fait preuve, encore une fois, de ce symbole d'intelligence que vous avez pour avancer favorablement. Par contre, ce que je vais mettre en avant, c'est votre capacité d'être en action ici. Alors, ce qui sera positif pour ce mois de juillet, c'est le 9 de bâton, c'est l'effort. C'est normalement cette,
J'ai l'image d'un autre tarot où je préfère limite cette image. On a une montagne et on voit un personnage monter au risque de trébucher. Et le fait de devoir ici continuer votre ascension vous demande de faire des efforts, vous demande une certaine intelligence, vous demande une certaine concentration. Et on voit que vous maintenez les rênes de votre vie. Alors oui, il peut être question aussi de mettre des limites à une personne, à quelque chose. Je pense que ça sera relationnel et sentimental. J'y viendrai après. Alors, ce qu'il faudra travailler, c'est le chevalier de coupe, cette énergie de fougue et cette énergie vraiment de se laisser aller. Il y a comme une petite retenue parce que vous êtes focus sur quelque chose. Reste à vous de trouver un équilibre pour lâcher prise à un moment donné. Et voilà, restez connecté à vos émotions, restez ouvert à ce qui vous fait plaisir, restez ouvert à ce qui vous fait du bien. Ce cavalier, à certains moments donnés, il peut perdre espoir. Bon, ben parce que si vous avez un focus sur quelque chose et que cela vous demande de faire des efforts, ok, est-ce qu'il y a cette envie d'aller un petit peu plus vite que la musique? C'est tout à fait possible. Mais maintenant, vous avez cette capacité vraiment de faire les choses correctement. Et pour moi, cette carte de cette reine, elle est vraiment bien placée parce qu'elle va vous encourager à fonctionner de la meilleure façon. Alors, je vais commencer sur un point de vue, on va dire, sentimental, relationnel. On aura le côté émotionnel puisqu'on a le cœur. Et puis après, je parlerai d'autre chose. La reine de coupe, eh bien, elle accueille beaucoup de choses. Elle peut être empathique. Elle peut trop accueillir. Attention de ne pas se laisser dépasser. Cette reine de coupe, elle est aussi en mode j'observe, je m'interroge, je regarde et je suis ici en introspection pour savoir ce qui est le mieux pour moi, émotionnellement, relationnellement ou sentimentalement. Donc ici, je dirais que c'est votre énergie, comme s'il y avait quelque chose à observer de plus près et qui vous demandait un regard un petit peu pointu ici par rapport à une situation avec vous-même ou une personne qui vous entoure. Nous avons ce cœur avec le serpent. Soit on parle de quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitez, soit on parle d'une trahison. Chacun, voilà, ça serait mentir de dire juste pour enjoliver le tirage. Il y a des gens qui se sentiront trahis d'une certaine manière. Ça peut être dans le côté professionnel, dans le travail, par rapport à des collègues. Ça peut être aussi vous qui mettez la barre assez haute et qui n'avez pas le résultat escompté sur quelque chose et qui avez cette sensation que ben on vous a trahi. Mais ça peut être une impression. Vous voyez, j'ai envie de mettre en avant une impression parce que ben, peut-être que votre petit cœur, il a été blessé par rapport à quelque chose et un rien peut le faire un petit peu résonance avec des blessures. Donc oui, pour une autre lecture, ok, il peut y avoir le serpent qui nous parle d'un chemin sinueux, qui vous demande de vous adapter émotionnellement, mais aussi par rapport à une personne. Et ce qui nous ressort ici, c'est quand même, si j'additionne les valeurs, on a les souris. Donc, les souris, c'est cette notion de petit remue-ménage à l'intérieur. On peut parler de stress, on peut parler aussi de mettre des pendules à l'heure avec une personne. Et vous retrouvez l'énergie du renard ici, qui vous met un petit peu en mode vigilance, prudence. Donc, ça peut être un désagrément dans votre émotionnel. J'ai mis la barre trop haute, ça n'avance pas aussi vite que je le souhaite. Je pense que pour le coup, c'est professionnel. Vous avez aussi, voilà, des petits inconvénients par rapport à une personne. Pour d'autres, ça sera plus gros. On peut parler quand même de tensions, de grosses disputes, mais chacun va le vivre différemment. Ce serpent, il nous dit qu'il va falloir s'adapter. Et pour s'adapter, vous avez cette énergie de la reine de coupe qui va vous permettre ici vraiment d'avoir un regard un petit peu différent. On a le 8 d'épée, il y a des peurs qui ressortent par rapport à tout ça. Il y a ici l'idée de se dire que ça peut manquer de fluidité, mais sincèrement, je pense que vous avez aussi votre part de responsabilité par rapport à cette personne, par rapport à cet émotionnel. On voit que, alors, 23 et 9, ça nous donne 32.
Vous êtes ici avec l'énergie de la Lune. Il peut y avoir une inquiétude émotionnelle. Est-ce que je vais être à la hauteur par rapport à quelque chose? Ou est-ce que cette personne, les choses vont bien se passer? Donc il y a une remise en question. C'est ça aussi cette reine. Elle se remet en question sur ce qui est bon ou non pour elle. Alors, on va retrouver le domaine financier. Où vous avez la renaissance ici, il y a quelque chose qui bouge, il y a comme une libération. C'est comme si vous pouviez vous sentir un petit peu rassuré par rapport à quelque chose. Je pense que financièrement, s'il était question de démarcher pour un bien immobilier ou de prendre des décisions pour retrouver une stabilité. Ok, on a ce monde qui nous parle d'efforts à faire. Ok, on a ce monde qui nous dit qu'il y a encore quelques retards, quelques blocages et que certaines choses financièrement peuvent encore prendre du temps, mais il y a comme si quelque chose ici pouvait être validé. Vous avez le 6 de denier en complément. On a vraiment cette notion de retrouver un équilibre, de se dire ok, j'ai une projection financière ou des choses de prévues ou un fonctionnement, je mets tout en œuvre, donc c'est vous hein, avec l'énergie de l'homme pour prendre des décisions, pour être en action, pour retrouver la stabilité ici, et on additionne le roi et l'as, ça nous donne l'énergie du renard, donc l'intelligence financière. Ok, ça vous demande peut-être des choses à régler encore, mais pour moi avec l'énergie des deux cartes du tarot, vous vous sentez libéré et comme cette notion d'être sur la bonne voie. Alors d'ailleurs, l'ours va retomber ici. On voit que on a cette notion de confiance qui est présente, mais le fouet va vous demander aussi de répéter certaines démarches administratives, sans doute par rapport à un héritage, une maison, un bien immobilier, une transaction. Ok, il y a encore des choses à régler, on le voit par rapport à un bâtiment. Mais vous allez avoir ici cette notion de récompense, de surprise et d'épanouissement. Donc tout s'éclaire et tout cela parce qu'il y a eu une intelligence de votre part. Donc voilà, hein, ça peut aussi être une situation financière bloquée. Voilà, par rapport à la famille ou en lien avec un homme. Mais maintenant, je pense que ici, on ne peut pas faire mieux. La Renaissance nous parle d'une situation qui se transforme, qui naisse vraiment derrière elle toutes les énergies négatives pour pouvoir retrouver une certaine équité, un certain équilibre. Ça me parle aussi d'une certaine manière de la justice, hein, sans doute par rapport à des enfants, la pension alimentaire, le partage du patrimoine. Tout n'est pas complètement carré, mais vous y voyez plus clair. Parce que, bon, je prends ce bâtiment ici qui peut représenter la justice, qui peut représenter, voilà, un bâtiment, l'administratif, vos démarches. Nous avons, par rapport à une somme d'argent, le bouquet. Donc, il y a bien cette notion que les choses puissent se décanter. Et puis, nous avons ici ces deux valeurs qui nous donnent l'anneau. Donc, il y a bien une signature, un engagement, quelque chose qui se concrétise. Mais il va falloir aussi accepter certaines choses et dépasser certaines peurs. Alors, on va regarder maintenant le domaine professionnel et après je parlerai des activités parce que tout le monde ne travaille pas ou ne peut pas travailler. Je pense que l'ours, on va l'approprier déjà comme les pères, alors un patron, les cadres. Il peut y avoir l'idée de taper du poing sur la table ici. Il y a quand même de la colère ou des conflits, des choses qui ne sont pas toujours agréable. Ça peut concerner une prime, une somme d'argent, un arrangement sur les finances dans le travail. Et puis, on va voir ici l'idée que quelque chose vous ramène à des sentiments positifs. Je vais avoir ici 24 le cœur si j'additionne. Et puis, ça me parle d'une autre... Alors, donc voilà, la confiance et la stabilité revient après, on va dire, des tensions avec un cadre ou un patron. Voilà. Nous avons, d'une manière positive, cette notion d'acharnement. Alors ça, c'est bien parce que vous tenez bon par rapport à votre travail. Ça peut être en lien avec le fait d'avoir beaucoup de responsabilités, beaucoup d'obligations. On a cette notion de se dire « je vais y arriver, je vais pouvoir me stabiliser ». Et l'ours ramène aussi ce besoin de protection. C'est comme s'il y avait quelque chose à dépasser finalement, professionnellement,
par rapport à ce que vous faites, mais aussi par rapport à une personne dans l'entourage professionnel où il peut y avoir voilà, une petite tension ou vous voyez quelque chose qui est un petit peu ambigu. Donc on va regarder, vous avez ici le 8 de denier, vous récoltez le fruit de vos efforts et l'effort ici c'est tenir bon par rapport à quelque chose, c'est se dépasser également. Alors, ça va être agrémenté ici du roi de denier. Donc, c'est magnifique puisqu'il y a une certaine intelligence, une certaine sagesse et l'expérience qui vous fait ici rester sur la bonne ligne directrice professionnellement parlant. Oui, il peut y avoir une demande peut-être de prime ou un arrangement financier qui crée une petite tension houleuse. Mais tout de même, moi, je pense que si le patron vous dit non, il va finir par vous accorder quelque chose puisque ici, ça va être les deux cartes des surprises où on va avoir une certaine réjouissance professionnelle, une certaine réjouissance au niveau d'une transaction ou une somme d'argent. L'idée de dépassement de soi par rapport à des obligations professionnelles. Et puis, l'idée de mieux-être qui revient après une période un petit peu tendue qui vous a touché le cœur. On a le travail indépendant avec les poissons qui touchent directement le travail. Je ne sais pas si c'est l'été. Alors, peut-être que certains travailleurs indépendants sont affectés, affecté par finalement les vacances où il y aurait un petit peu moins de travail ou quelques blocages à ce niveau-là, mais on a quand même une réjouissance puisqu'on a des contrats qui retombent et qui ressortent. J'ai fait un mixte entre les deux cartes. Alors, ce que je peux vous dire de plus ici, c'est que par rapport à vos activités ou ceux qui ne travaillent pas, Alors, c'est quoi à dire ? Je vais laisser parler mes ressentis, mais j'ai cette notion de petit régime. On a l'alimentaire qui ressort ici, de tenir bon par rapport à la nutrition. Peut-être voir une personne spécialisée. Ça peut nous parler d'un médecin ici. On a au niveau des sorties, pour moi, ce besoin de sorties, activités. Quelque chose qui vous retient, comme si vous vouliez rester un petit peu dans votre coquille à un moment donné. Mais après, on retrouve l'abondance et le bonheur et la joie. Donc pour moi, s'il y avait une recherche de comment se comporter, alors c'est un petit peu délicat de dire ça, pas comment se comporter dans sa vie, mais comment agencer sa vie, les sorties, les activités, si vous en avez. Parce que, je vois pas quel terme je pourrais mettre derrière tout ça. Agencer votre vie, simplement. Il y a quand même une tension à un moment donné. Aussi, ça peut être une restriction financière. Ça, je ne peux pas me le permettre. J'attends, ce n'est pas possible. Et après, il y a des choses qui se dénouent. Ok, on y va, on peut le faire. Il y a une possibilité. Sur notre forme de lecture, on a ici le médecin, ok. On a aussi un spécialiste, mais le bouquet, c'est tout ce qui est bien-être et tout ce qui est beauté. Donc, il peut y avoir un travail à ce niveau-là. Alors, je vais ranger les cartes. Alors, j'ai gardé ici ces deux cartes-là. On voit qu'il y avait des peurs, si vous êtes la femme ou par rapport à une femme, il y avait des choses ici qui vous demandaient de vous adapter. On avait cette notion de prudence aussi, de regard attentif, tel que la reine de coupe qui ressemble beaucoup, mais qui fait aussi attention à ce qui se passe, sur un plan sentimental. Donc le renard peut aussi parler d'une tierce personne, ce qui pourrait exprimer la trahison avec ces deux cartes-là. J'ai choisi pour vous, Lion, pour ce mois de juillet sentimental, de prendre ici le Line of Love. Et puis, j'approfondirai de toute manière cette guidance sentimentale dans une prochaine vidéo. Alors, j'ai trois cartes, ça fait beaucoup. Donc, nous avons l'amitié, l'attraction, la nouveauté, ok. Nous avons ici l'ordre. Je vais aller en dessous. On va faire ça. Il y a de la confusion. Nous avons ici le bouquet. La foudre. Ok. Et ici le cœur blessé. Alors, j'ai
beaucoup de situations qui me viennent. Je vais commencer déjà par les couples. Les couples qui pourraient se sentir un petit peu confus par rapport aux énergies de la relation. À un moment donné, on le voit très bien, il y a quelque chose qui vous demande de vous adapter, il y a une forme d'introspection par rapport à vos peurs, d'où la confusion. Maintenant, je pense qu'on a quand même des énergies meilleures qui reviennent. L'attraction, c'est la chimie, l'attirance, et on a cette notion de nouveau départ qui revient dans la relation. Par contre, le petit désagrément, c'est la foudre qui ramène à une certaine révélation où vous prenez conscience ici qu'il y a quand même un manque d'équilibre par rapport à certains points de la relation sentimentale ou amicale pour d'autres. Donc, il y a quand même un petit pépin, je dirais. J'ai quelque chose de positif pour certaines d'entre vous, celles qui pourraient se sentir concernées. On a la grossesse, avec cette notion de grossesse qui ressort. Et puis, dans ce cas-là, il peut y avoir un travail sur les peurs, ok. On a aussi, je dirais que ça peut être grossesse surprise. Après, c'est pas toujours le cas, mais on a quelque chose de, voilà, qui retombe à ce niveau-là. On a aussi un nouveau départ dans le domaine sentimental avec cette notion de pouvoir reconstruire, ok, la relation, s'il y a eu des tensions, de la confusion. Il sera question ici de devoir travailler sur l'équilibre de la relation d'une certaine manière parce que on a quand même un petit cœur blessé. Donc on va aller chercher comment ça va se décompter tout ça. Vous avez ici la capacité de stabiliser les choses, mais pour stabiliser les choses, il va falloir être en introspection et travailler sur vos peurs. Votre objectif à vous, c'est de relancer un petit peu de belles énergies. Et nous avons vraiment, comme je disais tout à l'heure, là c'est le 10 de coupe, la possibilité de consolider, de réconcilier, de ramener voilà quelque chose de plus positif. Bon. Je pense quand même que vous tapez du poing sur la table. C'est pour ça qu'on a aussi la foudre qui nous ramène à certaines disputes à un moment donné, parce que monsieur ou madame en face pourrait être blessé. Mais dans la continuité des choses, vous allez pouvoir ici stabiliser les choses. Et cette reine de deniers, elle va chercher le meilleur fonctionnement pour que ce soit le plus confortable. C'est un peu tendu des fois. Mais il y a quelque chose ici de malléable, tout comme ce serpent, avec un œil attentif, comme ce renard garde sur la relation. Alors, moi je dirais que pour les célibataires, on a l'amitié, on a l'attraction, la chimie, la nouveauté, mais tout de même, s'il y a une possible ouverture par rapport à une personne, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, parce qu'on peut apprendre des choses sur la personne attiré ou qui est attiré en question, et on prend quand même ses distances, voilà, pour voir ce qu'il y a de mieux à faire. Donc il y a quand même une petite vigilance ici sur le domaine sentimental. Bon voilà, si je prends ici ces cartes-là, on peut parler de famille, de maison, de justice, ou d'immobilier et d'administratif qui ressort, avec quelque chose qui vous demande vraiment de travailler sur le temps. On avait quand même une certaine réjouissance, mais il y avait le mont à côté de la famille, à côté de la maison tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'il y a un petit blocage qui ressort. Je dirais que, pour résumer, vous tenez bon et vous avez cette capacité et cette intelligence de stabiliser les choses. Donc ça, on l'approfondira plus tard. Je vous embrasse les lions, je vous embrasse, prenez soin de vous et restez confiants sur l'avenir.